Ce samedi 24 juin, en prime time, France 2 diffuse une soirée musicale inédite, la grande soirée des cabarets. Au programme, Stéphane Bern et Niki Doll à la présentation, et de nombreux artistes invités pour faire le show. Ce samedi 24 juin 2024, place au show et au froufrou sur France 2 en prime time. La chaîne du service public propose en effet aux téléspectateurs un divertissement inédit, la grande soirée des cabarets, à découvrir dès 21h10. Et pas dans n'importe quel lieu, puisque si y est-il le château de Fontainebleau, en région parisienne, qui avait notamment accueilli le tournage du clip Born to Die de Lana Del Rey, qui a été choisi. Pour cet événement, France Télévisions a fait appel à un habitué des soirées musicales. Stéphane Bern, récemment vu à la présentation des Victoires de la musique classique sur France 3. Un duo inédit à la télévision, celui qui a été élevé par une mère très dure ne sera toutefois pas seul devant les caméras, Carl Sanchez, de son nom de scène Niki Doll, sera à ses côtés. Son nom vous dit quelque chose ? Si est-il normal, elle a été la première candidate française de l'émission RuPaul se Drag Race et vous l'avez sûrement vu dès 2022 dans Drag Race France sur France 2. Elisa Tovati somptueuse pin-up pour cette grande soirée sous le thème du cabaret, Stéphane Bern, ex-compagnon d'un certain Cyril, et Niki Doll reçoivent plusieurs troupes et groupes. Ambiance assurée avec Mon Premier Cabaret, les créatures de Madame Arthur, les somptueuses danseuses du Moulin Rouge, les chanteurs de la comédie musicale Molière, l'opéra urbain ou encore le trio Les Coquettes, qui officie régulièrement dans Télématin sur France 2. Mais ce n'est pas tout. Mentissa, découverte dans The Voice, Chimène Badi et Elisa Tovati réservent-elles aussi de belles surprises aux téléspectateurs. Et notamment un look de pin-up blond platine à couper le souffle pour cette dernière. Attention les yeux.